Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième ouverture des stickers Panini. Donc j'ai sélectionné 5 nouvelles pochettes que nous allons ouvrir dès maintenant. On ouvre toujours en inversé pour pouvoir découvrir le contenu sans se spoiler et pour garder le suspense de la rare à la fin. Les rares en tout du moins les plus belles. Donc là on a une image que nous avons déjà eue, donc c'est Mel qui est en train de surveiller les écureuils par la fenêtre. Supporte pas les écureuils, mais il y a un arbre en face de chez lui et les écureuils aiment beaucoup s'y mettre. Ensuite on a les chats qui ont embêté Duke et Max dans leur petite ruelle. Une image qu'on a déjà eue, donc Duke avec une tortue dans le gang des frères de gouttière. Une image qui ne me dit absolument rien, donc là les chats de gouttière qui en veulent à Max et Duke, qui est une image qui rend très bien parce que quasiment chaque fil vous avez un chat, ça rend la scène assez impressionnante. Et une image qu'on a déjà eu les deux parties dans les deux ouvertures précédentes je crois, donc on a ici la tête de Max et ici on a le cucu de Mel. Donc la pochette numéro 2. Donc là on a le cucu de Buddy avec une oreille de Max. J'adore ces petits fonds dessinés d'immeubles tels que ça, c'est vraiment une petite patte que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la troisième image qu'on avait déjà eue une scène de film avec le petit oiseau qui est en train de voler et on avait le ventilateur à ce niveau-là. Ensuite, on a Duke qui, pour la première fois qu'il arrive, je crois, quand il rencontre Max. Je sais plus, ouais, je crois que ça c'est les chats qui attrapent Max, alors, mais je sais plus du tout pourquoi faire et on a Duke en fond. Et celle-là, on a Pompon qui fait son petit lapin tout mignon. Celle-là, on ne l'avait pas, ça ne me dit absolument rien. Troisième pochette. Alors là, c'est une scène de Duke, enfin de Max et sa maîtresse quand ils étaient encore tout seuls sans Duke, en train de manger leur pizza sur les montants des immeubles typiquement américains, là où il y a les escaliers en ferraille. La troisième photo, je crois justement je ne l'avais pas, donc là où on voit vraiment l'oiseau qui est en train de faire sa scène de vol par rapport à un film, il se prend vraiment pour un avion. La deuxième ou troisième partie, je sais pas combien était cette image donc de Central Park, on l'a eu deux fois dans les deux premières ouvertures. Chloé qui est en train de discuter avec Max. Et du gang des frères de gouttière, donc un des gardes du corps de Pompon, le crocodile. Ensuite, quatrième pochette. Fait un moment qu'on n'a pas eu de petites cartes floquées. Donc, petit Mel qui pète un câble. Chloé qui est en train de baver en voyant un énorme poulet dans le frigo de sa maîtresse. La même scène de Max en train de manger avec sa maîtresse sur les escaliers new-yorkais. Le centre d'une photo donc avec le corps de Buddy et la tête de Max. Donc on avait tout à l'heure l'autre partie de la photo ici, comme je disais, avec la patte avec les immeubles dessinés que j'aime beaucoup. Et ici nous avons le faucon quand il est enfermé dans sa cage parce que c'est un faucon engagé pour chasser les pigeons. Je sais pas si vous connaissez cette technique et il est enfermé. Et dernière pochette de cette ouverture. Ah, suffisait de demander. Sans vous spoiler. Hop, donc là, on a encore Buddy qui est en train de se faire gratter le dos par le mixeur. L'autre partie de la photo avec Loïc qu'on avait juste avant, donc là c'est le fameux poulet sur lequel elle est en train de baver, mais apparemment c'est une en trois images parce qu'il n'y a pas de rebord ici. Vous avez Norman le petit cochonin non plus, je ne l'oublie pas, je pense que j'aurais connu avant, Darwin se serait fait appeler Norman rien qu'avec ça. Troisième image de Max qui est dans le placard avec qui a foutu le bordel dans les chaussures de sa maîtresse. Et une carte floquée, justement quand je vous disais que je la demandais et on se fait spoiler parce que moi quand je les ouvre je les touche donc forcément je ressens. Donc une image que je n'ai pas, donc c'est avec Gidget qui est parti avec le faucon et je crois qu'il est en train de choper Ozone le chat nu. Donc voilà pour cette troisième ouverture de Sticker Panini, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager et surtout abonnez-vous. Bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss!